Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer une animation sous format GIF très simple avec PowerPoint. Le résultat final souhaité, c'est tout simplement un panneau dans lequel les lettres vont être écrites au fur et à mesure. Puis on aura un effet de lumière qui va se faire sur le texte et sur la bordure de ce panneau-là. Effectivement, vous pouvez créer autant d'animations que vous voulez, puis ça dépendra tout simplement de votre imagination. Pour commencer, j'aurai besoin de PowerPoint, l'application Office. Je vais ouvrir une nouvelle présentation. Puis la première chose à faire, c'est de changer la disposition que j'ai sur cette diaporama en choisissant Disposition dans l'onglet Accueil, puis choisir Vide. Cela va me permettre d'enlever toutes les zones de texte qui sont préalablement insérées sur la diapo. À partir de là, je vais aller sur l'onglet Insertion, puis je vais choisir l'outil Form. Choisissez la forme que vous souhaitez. Dans mon cas, je vais choisir la forme rectangle avec des coins arrondis. Je le dessine directement sur ma diapo. Je peux réinsérer un autre rectangle, celui-ci qui va me servir comme un genre de poteau. À chaque fois que vous sélectionnez une forme, automatiquement vous avez le format de la forme qui s'affiche. Cliquez sur cet onglet-là, ça va vous permettre de pouvoir avoir accès à l'ensemble des paramètres de la forme sélectionnée, notamment le remplissage puis le contour. Je commencerai par le remplissage en choisissant une couleur un peu plus sombre, puis je ferai la même chose avec le contour en choisissant la couleur noire. Pour la forme principale qui va servir de texte, vous avez la possibilité de l'agrandir aussi, vous pouvez la centrer. Puis je peux aussi changer le contour en cliquant sur contour, puis en choisissant l'épaisseur pour que ce soit un peu plus visible. Je profiterai de l'occasion pour pouvoir donner une couleur plus vive au contour, ça va accentuer l'effet souhaité. Donc en revenant sur contour, on choisit une couleur un peu plus flashy. À l'intérieur de cette forme là, il suffit de cliquer une fois, puis de taper le texte souhaité. Revenez sur le menu Accueil, puis augmentez la taille de votre texte jusqu'à atteindre la taille souhaitée. Parfait. Maintenant, pour simuler l'effet que le texte va s'écrire au fur et à mesure, je vais mettre la même couleur de texte que la couleur de l'arrière-plan, à savoir le bleu que j'ai ici. Donc toujours en revenant sur le format de la forme, j'ai la possibilité de pouvoir changer le remplissage du texte et de choisir un bleu qui est exactement similaire, accentuation 1 dans mon cas. Puis vous constatez que dans ce cas-ci, j'ai aucun texte qui apparaît sur mon panneau. Vous devez copier le diaporama et vous le collez tout simplement. Puis à partir de là, sur le nouveau diaporama que vous venez d'avoir, sélectionnez tout simplement le premier caractère, même s'il est invisible, vous serez capable de le sélectionner. Puis mettez une couleur qui est un peu plus claire. Puis là, vous constatez que le texte apparaît. On refait la même opération pour chaque diapo jusqu'à faire apparaître le contenu au complet. Donc je copie encore celle-là et je colle. Vous pouvez toujours utiliser le raccourci clavier CTRL-C, CTRL-V. Je resélectionne un caractère et je le mets en blanc. Puis je refais la même opération CTRL-C et CTRL-V. Et je continue la même opération encore une fois. Maintenant que mon texte est complètement visible, je profiterai de l'occasion pour pouvoir changer la couleur de mon texte, puis aussi de pouvoir changer la couleur de mon contour pour créer des effets de lumière supplémentaires. Commençons par notre texte, toujours dans le format de la forme. Je peux aller sur remplissage et je vais choisir une couleur différente pour mon texte, notamment on va prendre un vert par exemple. Parfait. Maintenant, pour le contour, je sélectionne encore ma forme. Je vais aller chercher contour. Je choisirai une couleur différente. Encore un vert. Puis, pour accentuer encore cet effet-là, pour ajouter un effet de mouvement, je pourrais aller choisir dans les contours les effets de sous forme de tiré. Voilà. Je referai la même opération. Je copierai la dernière diapositive. Je la collerai encore en bas.
Et cette fois-ci encore, je refais la même opération. Je m'en viens ici. Format de la forme. Je vais choisir d'autres effets de tirer, celle qui est en bas, avec une couleur qui va être différente, le rouge cette fois-ci. Puis je profiterai aussi pour pouvoir changer la couleur de mon texte pour la mettre en rouge. Tout est question de goût, vous pouvez continuer à faire ça comme vous voulez. Et voilà, comme vous pouvez le constater, maintenant la partie créative est terminée. Il ne reste que déterminer la durée que ça va prendre pour pouvoir changer chaque diapositive. Dans notre cas, je commencerai par sélectionner l'ensemble des éléments. Je peux le faire de plusieurs manières, soit en sélectionnant la première, en maintenant la touche Shift ou la touche majuscule enfoncée, puis en cliquant sur la dernière. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir tout simplement cliquer sur la combinaison CTRL-A pour sélectionner l'ensemble des diapositives. Puis à partir de là, vous allez chercher l'onglet Transition. Puis sur la partie concernant le groupe Minutage, vous pouvez constater que ici, j'ai la possibilité de pouvoir chronométrer le passage de chaque diapositive. Je choisirai un quart de seconde. Donc je me mettrai sur la partie ici, je mettrai 25. Et voilà. Là, je me mettrai sur la première diapositive et je lancerai mon test pour voir le résultat final. Vous pouvez constater maintenant le résultat. Il suffit maintenant de pouvoir enregistrer votre présentation en format GIF animé. Pour cela, cliquez sur Enregistrer sous ou appuyez sur la touche F12. Sur la partie concernant le type de fichier, c'est important de sélectionner au préalable format GIF animé. Donnez un nom. GIF Québec Test. Choisissez l'emplacement pour l'enregistrement, c'est important pour ne pas oublier où on l'a enregistré. Puis cliquez tout simplement sur le bouton enregistrer. On va aller regarder le résultat final. Comme vous pouvez le constater, j'ai ici un nouveau fichier qui a été créé. En faisant un double clic, vous constatez que mon fichier a été créé. Pour incorporer notre GIF animé sur n'importe quelle présentation qui est déjà faite, c'est très simple. Il suffit d'aller chercher le menu insertion, puis de choisir image. À partir de mon appareil, on choisira après le bureau, puis on va aller chercher directement le fichier qu'on avait préalablement fait, c'est celui-là. Je clique dessus et je clique sur le bouton insérer. Vous constatez que ce fichier-là a été inséré directement sur ma diapositive, mais ce qui est gênant, c'est que je retrouve une partie blanche directement sur ma diapositive. C'est pas grave, je peux l'enlever, toujours en restant sur PowerPoint. Maintenez la sélection sur votre fichier qui a été inséré. Cherchez l'onglet format de l'image. Puis allez chercher couleur dans la partie ajuster. Dans le groupe ajuster, choisissez couleur. Puis choisissez couleur de transparence. Votre curseur va changer de forme. Vous allez avoir comme une pipette. Allez tout simplement sur la partie blanche que vous voulez enlever et faites un simple clic dessus. Et voilà encore, le tour est joué. Là, vous venez de constater que je viens d'avoir ma petite diapo, je peux la mettre là où je veux. Je peux changer sa taille, la réduire un petit peu pour que ça rentre dans l'espace qui est réservé. Le résultat final, comme vous pouvez le constater, j'ai ma diapositive avec mon logo que j'ai créé ou avec le GIF animé que j'ai créé. J'espère que ce petit tuto vous sera utile, puis ça vous donne des idées pour pouvoir créer vous-même vos propres GIF animés. Que ce soit pour des boutons, pour des messages, pour attirer un peu plus attention. N'hésitez pas de liker cette vidéo-là, de partager, de s'abonner à la chaîne et de me laisser tous les commentaires. Je me ferai plaisir de pouvoir les lire et de répondre à toutes vos questions. Encore une fois, merci, puis à très bientôt dans un nouveau tuto.